à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce live, mais j'espère que vous allez bien malgré le confinement qui devrait s'arrêter d'ici peu. Ravi de vous retrouver donc afin d'échanger avec vous en compagnie de notre invité Laurent Mauduit, cofondateur de Mediapart avec Edwy Plenel, mais également ancien journaliste pour Libération et Le Monde notamment, et ainsi qu'auteur de Main basse sur l'information en 2016 ou encore en 2018. De la caste Enquête sur la haute fonction publique qui a pris le pouvoir. Il échangera avec nous son impression sur le virus de l'info ainsi que sur l'exercice du métier de journalisme pendant cette période de confinement si particulière. Présent avec nous aussi Franck Demey, ancien journaliste et formateur aujourd'hui référent de la filière journalisme à l'IACPA. Calvin Ropers, étudiant à l'école aussi présent dans ce live, et il a rejoint l'ASCPA cette année après un master en philosophie à l'ENS. Et enfin, dernier participant, Éric Ouzounian, journaliste et essayiste, mais également enseignant au sein de l'ISCPA, qui est avec nous pour ce live. Bonjour à tous. Bonsoir Shuna, bonsoir à tous. Bonsoir. Au cours du mois d'avril, les étudiants de l'ISCP à Paris ont depuis 15 ans l'habitude de se rendre pour 2 semaines à l'école de guerre afin de participer à l'exercice coalition. Cet événement est une simulation d'un conflit de haute intensité au sein duquel environ 600 participants, militaires, diplomates, journalistes et membres d'organisations non gouvernementales se retrouvent pour participer à une opération unique au monde. Le 13 mars, nous apprenons, sans en être vraiment surpris, que cet exercice est annulé. Après une réflexion rapide au vu des délais, l'ISCPA à Paris décide de maintenir l'agenda de l'exercice en se concentrant sur l'actualité, l'épidémie de Covid-19. En quelques jours, 4 rédactions sont formées, 2 radios et 2 quotidiens. Un site web, Le Virus dans l'Info, regroupe les productions de 70 étudiants journalistes qui participent à l'exercice, encadrés par 5 journalistes professionnels. Les premières conférences de rédaction sont organisées. Chacun prépare des sujets, affûte ses angles, contacte ses sources, et les premiers articles sont publiés. La ligne éditoriale est ambitieuse, informée, mais également analysée, avoir le souci du lecteur et de l'auditeur et faire en sorte de décrypter, pour ceux qui nous lisent et nous écoutent, une période aussi riche que complexe. Les journées se déroulent comme dans la vie réelle. Choix des sujets lors des conférences de rédaction, sollicitation des sources, pas toujours facile à contacter, vérification des informations, relecture, correction, montage, maquette et enfin publication. Au sortir de cette expérience, 260 articles ont été publiés, 40 programmes de radio enregistrés, l'ensemble totalisant plus de 22 000 vues. C'est le moment de revenir sur une expérience passionnante, formatrice et inédite. Le journalisme confiné et ses méthodes peuvent-ils se perpétuer? Peut-on imaginer qu'il influence les pratiques futures? Quelles seront les conséquences politiques, économiques, sociales et culturelles de cet épisode? Quel doit être l'engagement des journalistes? Quelles seront les nouvelles lignes éditoriales et les prochains modèles économiques? Nous allons tenter ensemble de proposer des réponses et de dégager des perspectives. Ma première question s'adresse à toi, Laurent. Tu as pu prendre connaissance de ce virus de l'info. Quel est ton sentiment? Le virus de l'info, j'ai trouvé ça très chaleureux parce que c'est dur de faire un journal confiné. Et en même temps, j'ai trouvé beaucoup d'enthousiasme. Ce qui m'a plu, c'est évidemment que c'était lié à l'actualité. C'est la diversité, c'est le fait que il y a le souci de l'étranger, de l'international. Alors maintenant, ensuite, si vous voulez qu'avec bienveillance, je vous fasse quelques remarques comme ça en picorant ici ou là, je serai l'enseignant ou le coach de jeunes journalistes. Bon, alors, d'abord, il y a une petite critique, c'est que dans les mises en page journaux, la navigation est très compliquée. La lecture, pour moi, a été quasi impossible. Donc, je me suis référé aux articles eux-mêmes mis en ligne ensuite. Alors, quelques remarques comme ça dans le détail. J'ai trouvé que l'idée de faire un papier sur les inspecteurs du travail était évidemment une très bonne idée, puisque il y a eu une propension du gouvernement à faire aller au travail, c'est-à-dire à privilégier la question économique plutôt que la question sanitaire. Mais un papier sur les inspecteurs du travail qui démarre par des remarques sur l'OIT en 1947 et puis Gérard Filoche, qui est un inspecteur du travail très sympathique que j'ai connu quand j'étais jeune journaliste, tout ça n'est pas très lié à l'actualité, quoi. Donc ça, voilà, ça aurait été la petite critique que j'aurais faite. Dans un autre registre, le papier sur le Sahel, j'ai trouvé que c'était aussi une bonne idée.
mais je trouvais qu'il y avait un peu un aspect un peu journalisme embedded, hein, avec un peu trop le point de vue de la hiérarchie militaire et de la ministre des Armées. Voilà. Dernière remarque, par exemple, sur un dernier papier, l'article des citoyens pas dupes. L'article, alors je comprends bien, le titre n'est pas très explicite, hein, mais bon, on comprend tout de même. Mais je n'aime pas les articles, si je peux me permettre, et c'est un débat d'atelier entre confrères, entre journalistes, qui démarre par des sondages. Moi, du temps où j'étais au Monde, mais c'est le cas aussi à Mediapart, on ne publiait jamais de sondages. Moi, je trouve que les sondages, c'est comme la prévision économique, l'histoire des sondages. Donc, je trouve qu'il y a, surtout en ces temps-là, on sent bien qu'il y a de la colère dans le pays. Et on devine peut-être que le confinement, la fin du confinement, va se dénouer par ces manifestations plus nettes de colère. Et donc, je trouve que plutôt que de parler de sondage, c'est plus important d'identifier ces symptômes de colère diffus. Voilà, et j'ai eu une sorte de petit sursaut quand j'ai lu le début du papier. En temps de crise, l'équipage se remet généralement au capitaine. Moi, c'est tellement pas le cas, et j'ai l'impression que dans le pays, c'est tellement pas le sentiment du pays. Il y a eu une défaillance tellement forte, voilà, que ce début d'article, moi, j'aurais été le chef d'équipe, j'ai dit, allez, on va leur travailler un petit peu. Voilà quelques remarques, mais voilà, globalement, je trouve que c'est très, très chaleureux et surtout ce basculement aussi vite dans un système confiné est remarquable. Merci Laurent. Shuna, Kelvin, comment vous, en tant qu'étudiant en master, vous avez vécu ce temps de travail? Ben je pense qu'on l'a vécu de la bonne manière, dans le sens où, enfin, personnellement, je n'y croyais pas du tout à cet exercice. Je ne pensais pas, de un, en être capable, et de deux, que ça fonctionne sur le long terme, comme ça a fonctionné sur 3 semaines, dans des conditions inédites, où on se retrouvait chacun chez soi, à devoir contacter des gens qu'on ne connaissait pas, à devoir vraiment être autonome et investi dans un projet collectif, mais on était tout en étant seul chez soi. Et au final, j'ai trouvé ce projet très enrichissant, très formateur pour le coup. Ça nous a appris à travailler dans l'urgence et aussi à acquérir une certaine endurance, je pense, parce que tenir 3 semaines en quotidienne, à contacter, enfin, à trouver des sources tous les jours, pour rendre le papier à l'heure, je pense que ça a été en tout cas une des compétences que j'ai acquises pendant ce projet, quoi. Ouais, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est la liberté éditoriale qu'on avait aussi, une liberté de ton. On pouvait un peu, comme disait Laurent, à commencer nos articles comme on le souhaitait, essayer de véhiculer aussi nos idées, nos pensées sur le confinement, sur l'épidémie qui frappe maintenant tout le monde. Et ça, c'était très intéressant d'avoir cette liberté de ton-là, de pouvoir essayer d'apporter son analyse personnelle. Tu avais une question, Calvin, à poser à Laurent, je crois, à propos de l'engagement du journalisme. C'était par rapport du coup au référé liberté qui a été déposé par le SNJ contre l'onglet Désinfox qui est sur le site officiel du gouvernement depuis quelques jours. Qu'est-ce que Laurent pense du retour en arrière du coup du gouvernement face à la montée de boucliers des journalistes et en particulier donc de ce référé liberté? Est-ce que c'est pas un danger pour la liberté de la presse de voir l'État sélectionner et donc légitimer le travail journalistique le moins engagé possible, puisque dans cet onglet des Infox, il n'y avait aucun article de Mediapart, ni aucun article de médias véritablement engagé, il n'y avait que Libération pour le service fact-checking. Et donc voilà, Ok. est-ce que l'engagement du journaliste l'amènerait nécessairement à la désinformation, comme pourrait le penser l'État? Alors, Laurent, Kelvin te posait une question à propos du site gouvernemental sur lequel le SNJ avait déposé hier un référé liberté qui a amené d'ailleurs le gouvernement à retirer, enfin à promettre qu'il allait retirer cette page. Et il posait une question sur l'engagement du journalisme. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Donc il y a deux questions en une. Moi, j'ai toujours trouvé que on ne peut pas être un bon journaliste si on n'est pas quelque part un peu rebelle, puisque notre métier, c'est de regarder ce qui est sous le tapis et donc de s'affronter au temps, quelle qu'elle soit, politique ou financière. Donc il faut être toujours en doute. Donc c'est un métier forcément assez rugueux. Et donc moi, dans mon idéal professionnel,
Ce sont souvent des journalistes, hein, comme la formule célèbre d'Albert Londres, porter la plume dans la plaie. Donc, moi, mon idéal professionnel, c'est qui des journalistes comme John Reed, 10 jours qui apprend l'air le monde, ce journaliste américain qui assiste à la révolution russe. C'est George Orwell, le journaliste britannique qui assiste à la guerre d'Espagne, même à un moment donné, pose le stylo pour s'engager dans les milices républicaines. Ou plus récemment, c'est Albert Camus, évidemment, qui est journaliste et qui, en même temps, par la plume, prend position contre la torture en Algérie. Voilà. Donc, je pense qu'il y a cet aspect très engagé du journalisme, parce que c'est un métier citoyen. Et donc, du même coup, j'en viens à la seconde aspect de la question, c'est que je pense que les journalistes, mesurant le fait que c'est une fonction citoyenne, au cœur de la démocratie, doivent défendre jalousement la liberté de la presse, qui est un droit fondamental des citoyens, le droit de savoir. Et donc, du coup, quand on voit ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé est gravissime, parce que, je le rappelle rapidement, on n'avait qu'une séquence avec ce pouvoir de mise en cause de la liberté de la presse, très répétée. Hein. Il y a eu des mises en cause très graves. Il y a eu la loi sur les faits, la loi sur les affaires, il y a eu la tentative de perquisition à Mediapart, bref. Donc, ce qui s'est passé, ce site mis au point par le gouvernement, vient après beaucoup d'autres attaques. C'est quoi un site où il sélectionne, où il labellise les bonnes informations et donc, du même coup, exclut les autres, hein? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le ministère de la vérité, hein? Je vous parlais d'Orwell, c'est dans George Orwell, c'est dans 1984 qu'il y a le ministère de la vérité. C'est quoi le ministère de la vérité? C'est le ministère de la propagande. Donc, un aspect gravissime. Et donc, c'est très inquiétant. Mais ce qui est chaleureux dans cette histoire, c'est que vous l'avez vu, plus de 30 sociétés de journalistes ont pris position pour le retrait immédiat de ce site. Et le SNJ a eu la bonne idée, dans le prolongement, de faire un référé devant le Conseil d'État. Et c'est sachant que le Conseil d'État allait donner raison au SNJ, qu'à l'avance, pour ne pas avoir se camouflé, que le gouvernement a décidé de retirer le projet. Mais voilà, je trouve ça très inquiétant, le fait qu'il faille un tel tollé pour ce gouvernement fasse machine arrière. Franck te demandait si l'exercice du journalisme pendant cette période de confinement, où on est tous contraints à travailler chez nous, était de nature à changer nos pratiques, et est-ce que c'était quelque chose qui pouvait éventuellement se perpétuer? Est-ce que ça va changer des choses dans les pratiques qu'on a du journalisme, à ton avis? Moi, je peux d'abord parler de ce que je connais, qui était Mediapart. Alors, c'est vrai qu'on est un cas particulier, comme on dit, un journal totalement numérique. Le basculement s'est fait du jour au lendemain. C'est-à-dire, comme on avait les outils technologiques, du jour au lendemain, on était capable d'être confiné et d'être à 80 en conférence vidéo sans même avoir nos petits problèmes entre nous de réglage parce qu'on avait des outils très, très performants. Alors, évidemment, on a eu des débats déontologiques et professionnels entre nous pour savoir ce que l'on faisait, ce que l'on ne faisait pas. Notamment, la question du confinement pose évidemment la question du reportage. Hein, est-ce que, parce qu'évidemment, dans nos métiers, il y a l'enquête, il y a le débat, mais il y a aussi aller voir sur place. Hein. Il y a des incidents en banlieue. Bon, alors tout de suite, on s'est équipé. On a essayé de trouver des masques, on a essayé de trouver des combinaisons éventuellement s'il le fallait. Et on a eu un débat entre nous sur la fréquence, sur les cas où on devait aller en reportage. C'est le même type de débat que est-ce qu'on envoie un journaliste sur une zone de guerre dangereuse, hein? Donc, ce sont des débats très méticuleux, très précis, avec l'appréciation du risque. Hein? Voilà. Pour le reste, la contrainte du confinement n'a pas trop pesé parce qu'il y a une sorte d'enthousiasme de la rédaction, de l'équipe, en se disant que c'était une période éminemment grave que l'on vivait et qu'il fallait à tout prix qu'on soit à la hauteur de ce défi pour les citoyens. Donc, il y a une sorte de boulimie, de rage de travail des journalistes sans qu'on les y pousse vraiment pour trouver les mensonges sur les masques, trouver
l'histoire des respirateurs qui n'est, dont les personnels hospitaliers n'avaient pas la disposition. Voilà, donc il y a une sorte de dynamisme de l'équipe. Je pense qu'il a dû exister dans beaucoup d'autres médias de la même façon, sans avoir l'aspect de déprime qu'ont pu avoir des médias où, d'un seul papier, hein, où d'un seul coup, le papier arrêtait de distribuer parce que les kiosques fermaient les uns après les autres. Donc, voilà, ça nous a amélioré dans les comportements numériques. Hein, mais voilà, le plus important dans la vie d'une rédaction, c'est le collectif. Et donc, puisqu'on est arrivé à avoir ces discussions collectives en vidéoconférence, voilà, ça n'a pas affecté la qualité du travail. Et au contraire, je pense qu'on a fait plutôt un très, très bon journal dans cette période. Alors, Kelvin avait une question à te poser sur le monde d'après. Je vais laisser poser sa question à l'antenne. Et puis, comme tu ne l'entends pas, je vais tenter de la reformuler pour toi. Kelvin. D'accord, merci. Oui, alors moi, ma question, c'était sur le paradoxe qui, en ce moment, parce que le confinement généralisé fait naître de nouvelles habitudes. On ressent dans la population un vrai désir de s'informer sur la pandémie, et donc ce qui se traduit par une augmentation fulgurante des audiences d'un côté, alors que parallèlement, le chiffre d'affaires d'une vaste majorité de rédactions est en baisse. Est-ce le signe qu'il faut revoir l'économie de l'information, que le modèle publicitaire est dépassé? Alors, la question que te posait Kelvin, Laurent, c'est que on voit là clairement un changement du modèle économique au sens où la publicité, le chiffre d'affaires publicitaire est en train de s'effondrer et que en fait les audiences grimpent beaucoup. Est-ce que finalement cette situation n'est pas en train de remettre les compteurs à zéro entre les médias qui vivent parce que les lecteurs les achètent ou s'abonnent pour des publications numériques? Ouais. Et est-ce que ça sonne pas le glas d'un certain modèle économique pour les médias en général? Ce qu'on va vivre pour la presse va être un séisme, comme d'ailleurs dans plein d'autres professions. Nous, le séisme, on le pressentait quand même depuis 10 ans. Il y avait deux formes de presse, ce que je dis avec moquerie, la vieille presse, la presse papier, et puis la presse numérique. En France, on s'en était déjà parlé, je crois. On a tardé à faire la conversion vers le numérique. Hein. La plupart des grands journaux ont fait le virage numérique autour des années 2010. Hein. Mais avec malgré tout des systèmes dont l'économie dépendait toujours du papier. Or là, le papier s'est effondré, les ventes papier sont effondrées. Et pour les journaux qui avaient papier et numérique, une explosion des abonnements et j'imagine des audiences. Donc ça vient confirmer, mais ce n'est pas la crise sanitaire qui le provoque, ça vient confirmer une tendance longue que l'on devinait, moi qui a toujours été depuis 10 ans mon point de vue, à savoir que la presse papier a vocation à disparaître. Alors elle va disparaître, en plus ici dans notre pays, et la française, dans des villes avec... des manœuvres parmi les milliardaires. Observer, par exemple, l'effondrement de l'Empire Lagardère. C'est assez amusant d'observer que Nicolas Sarkozy est venu à son aide et a amené dans ses bagages Vincent Bolloré pour soi-disant aider Arnaud Lagardère. On peut peut-être imaginer que Vincent Bolloré va croquer les médias d'Arnaud Lagardère, donc Europe 1, le JDD, et Paris Match. Donc l'effondrement va se faire malgré tout, pas de manière tranquille. Hein. Donc voilà, c'est en tout cas l'aspect le plus fort, me semble-t-il. Ça confirme que le cœur du réacteur, c'est le numérique. Et c'est d'autant plus important à comprendre qu'on a bien vu au travers de cette crise sanitaire que les citoyens sont, un, en appétit de lire et de comprendre, surtout quand il y a un gouvernement qui multiplie les dysfonctionnements comme ça a été le cas, mais en même temps qui ont envie de débattre, de se confronter. Et donc, nous, on voit bien sur Mediapart à la fois l'afflux d'abonnements, l'afflux d'audience,
mais aussi l'afflux des points de vue dans la partie club débat de Mediapart. Hein, et donc, l'outil journal est très précieux dans ces temps-là, mais l'outil aussi forum, agora public, débattons, est aussi très... Les lecteurs ont envie de se saisir de leur journal. Et donc, voilà, c'est le monde d'après pour la presse. Ça va accélérer cette mutation, ce basculement, et le défi principal sera est-ce que ce basculement permettra de refonder une presse libre et indépendante. Ça, la question n'est pas tranchée. C'est mon souhait ou mon espoir. D'ailleurs, Laurent, sans vouloir peut-être déflorer des chiffres que vous allez donner plus tard, comment ça se passe pour Mediapart en termes d'audience et d'abonnement ? Je n'ai pas les chiffres, hein, je ne peux pas vous les donner précisément. On a tenu notre conférence de presse à l'occasion de l'anniversaire de Mediapart, comme tous les ans. On est le seul journal qui donne ses comptes financiers. Voilà. Donc à l'époque, on a annoncé 170 000 ou presque, j'ai plus le chiffre en tête, 170 000. Je pense qu'on est maintenant nettement au-dessus parce qu'il y a eu un appétit de lecture des gens. Et comme c'est ce que je dis est immodeste, mais je pense qu'on a apporté beaucoup d'informations très importantes sur les mensonges sur les masques, sur les respirateurs, sur l'enquête qu'on a faite sur le professeur Raoul. Donc du coup, il y a beaucoup, beaucoup de papiers qui ont énormément circulé. Là, je regardais, on a fait le papier, tout en vous parlant, je pianote sur Mediapart, voilà, son nom échappé, Vincent Lindon, oui. Qui fait un texte pour Mediapart, il donne son sentiment, un texte qui est absolument formidable, et il est en tendance, en tête de toutes les tendances sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui, avec donc des effets boule de neige absolument considérables. Donc voilà, ça a été une époque très... On a été à l'auteur, je pense, de manière immodeste, à la hauteur du défi que cette crise gravissime nous posait. Franck, tu avais une question ? Oui, je ne sais pas si Laurent m'entend. Si Laurent m'entend, au-delà du séisme sur la presse dont il a fait mention, quelle est son analyse politique en termes de conséquences de la crise sanitaire du coronavirus, qui a fait quand même plus de 25 000 morts en France, plus de 250 000 dans le monde. Je pense que le gouvernement, il a parlé de dysfonctionnement. Il est question de soubresaut à la tête du gouvernement aujourd'hui. Quelles conséquences il imagine pour demain ? Laurent, est-ce que tu as entendu la question de Franck ? Non. Alors, la question qu'il te posait, c'est le monde de demain et quelles seront les conséquences politiques de la pandémie avec un certain nombre de situations où le gouvernement a été pris en défaut sur sa communication. Comment on imagine ce qui va se passer après, quoi, Oui, c'est pas seulement sa communication, c'est qu'on sent bien que le logiciel de ce pouvoir, qui était un logiciel très néolibéral, avec, comme dit le FMI ou la Banque mondiale, avec des réformes de structure, donc à aller totalement à rebours d'un seul coup l'aspiration qu'a révélée cette crise sanitaire. Souvenez-vous d'un chiffre, un seul chiffre. Combien y a-t-il eu de suppression de lits hospitaliers depuis 5 ans ? 17 500 suppressions de lits hospitaliers. Et donc, d'un seul coup, et ce gouvernement a sans arrêt, les années antérieures, multiplié les critiques contre l'État-providence. L'État-providence, c'est quoi ? C'est la protection sociale, c'est la retraite, hein, la réforme des retraites. C'est l'État-providence, c'est l'assurance maladie. C'est le besoin de protection. L'État-providence, en clair, c'est le modèle social que les résistants inventent à la fin de la guerre, et qu'ils installent et qui va durer pendant 30 ans ou 35 ans. On est dans une économie de marché,
mais qui protège les gens. Il y a des droits fondamentaux qu'il faut respecter. Et donc, je pense que je ne sais pas comment ce gouvernement va bouger, mais on sent bien qu'il a été totalement défaillant. Moi, mon intuition, je la livre, parce que parfois le journalisme, c'est aussi un métier d'intuition, puis ensuite on essaie de valider ces intuitions. Je pense que le déconfinement va conduire à les manifestations publiques de la colère. On a vécu une séquence quand même pendant 2 ans de colère sociale à répétition, avec un, les gilets jaunes, ensuite tous les mouvements contre la réforme des retraites et les manifestations des personnels hospitaliers. Et l'aspect très, très, je trouve, terrible de cette crise sanitaire au plan politique, c'est que d'un seul coup, on se rend compte que c'est un homme seul qui décide pour tout un pays. Et donc, il y aura une, je pense, me semble-t-il, une exaspération contre ce pouvoir très personnel. Ce que disait le journaliste dont je me moquais gentiment sur le capitaine. Voilà, dans les systèmes monarchiques ou néo-monarchiques, qui est le nôtre, hein, pouvoir d'un seul homme, la colère prend une forme d'autant plus concentrée. Voilà, donc je pense que c'est l'aspect-là le plus immédiat, la colère, puis ensuite il y aura peut-être l'envie de refonder un monde nouveau. Et quand vous voyez, et c'est aussi ça le métier du journalisme, que d'organiser ce débat public, les idées innombrables qui fusent, comment refonder le monde de demain ? D'abord en termes d'État-providence, est-ce qu'il faut refonder un État-providence ? Et à qui faut-il laisser la gestion de l'hôpital ? Est-ce qu'il faut que ce soit seulement quelques inspecteurs des finances qui décident avec un seul critère, le critère financier ? Ou est-ce qu'il faut refonder la sécurité sociale ? Est-ce qu'il ne faudrait pas que les partenaires sociaux qui ont été exclus aient à nouveau la main ? Enfin, voilà, il y a peut-être, sur tous les domaines, on sent bien, même chose pour la culture, même chose... Je prends un exemple qui est l'exemple sur lequel je travaille, les nationalisations. On n'a pas arrêté de privatiser tous les services publics. Hein, EDF, GDF. Et là, on est en train de, depuis 3 ans ou 4 ans, de préparer la privatisation de la Poste et de la SNCF. Est-ce qu'il ne faut pas, dans le cas d'une république démocratique, égalitaire, refonder les services publics? Et qui doit gérer les services publics? Encore une fois, est-ce que ce sont des inspecteurs des finances? Bon, voilà, donc il y a plein de débats qui sont devant nous, et je trouve que le beau métier du journalisme, c'est d'arriver à leur donner un sens, de les organiser et de leur permettre de prendre forme. Je voudrais revenir quelques instants avec nos étudiants. Vous qui allez faire ce métier, Shuna et Calvin, quel est votre sentiment par rapport à ce que vient de dire Laurent? Calvin, tu veux... Vas-y, commence. Par rapport à ce que vient de dire Laurent, notamment vis-à-vis de la colère, c'est aussi un peu ce que je ressens aussi, ce qu'on a tous un peu ressenti vu le contexte social du pays. Et je pense que le politique et le monde d'après, il va y avoir une certaine refonte du politique et de comment les citoyens perçoivent le politique et aussi le métier de journaliste. Quel rôle le journalisme et tout ce qui est journalisme d'investigation, tout ce qui est pas la parole des médias, l'authenticité ou non de celle-ci, je pense que ça va... Il y a des leçons à tirer de cette crise, autant au niveau politique qu'au niveau journalistique, je pense. Ouais, on a perdu Calvin. Nous, une autre question qu'il allait poser sur le monde d'après. Après, oui. On a beaucoup entendu, Laurent, on a beaucoup entendu Emmanuel Macron parler des jours heureux en reprenant le programme du Conseil national de résistance, de la résistance, qui quand même stipulait quelque chose d'important, qui était que les médias, l'information, devaient rester hors d'atteinte des puissances de l'argent. Je sais que Calvin voulait poser une question comme ça. Est-ce que finalement, on se demande aujourd'hui si on ne va pas subir un effet de balancier en se disant oui, on pourrait prendre conscience de ça? Mais finalement, quand on voit aussi d'autres applications, notamment les questions de traçage numérique, tu parlais d'Orwell tout à l'heure, ouais. On n'en est pas toujours très loin. Ouais, je trouve qu'il y a un aspect assez impudique ou, allez, disons le mot, gonflé de la part de Macron de se référer
à la déclaration ou au programme du Conseil national de la résistance, parce que tout de même, il y a quelqu'un dont on se souvient en 1988. 2008, pardon. C'est Denis Kessler, qui est à l'époque le numéro 2 du patronat, qui dit que faut-il faire? C'est assez simple ce qu'il faut faire. Il faut déconstruire le programme du Conseil national de la résistance. Tout ce qu'ils ont fait, il faut le défaire. Or, on sent bien que Emmanuel Macron a été dans cette logique-là. Hein. Il a été dans la logique de la déconstruction de la sécurité sociale, des règles découlant du droit du travail. Voilà, et donc le voir. Parce que, bon, il a un aspect un peu éponge, Macron. Il entend ce qui se dit, il essaie de faire des galipettes de communication. Voilà, mais honnêtement, je pense que. Me semble-t-il, l'aspect le plus fort de cette crise, c'est il y aura une colère qui va se manifester contre ce type de pouvoir personnel. Est-ce qu'un homme... Ah, je vois un étudiant, enfin. Est-ce qu'un homme seul peut décider de tout, tout seul? Or, dans le programme du CNR, il y a aussi une aspiration démocratique. Refonder la démocratie, de sorte que le pouvoir des citoyens compte. Or là, on sent bien qu'il n'a pas compté. Regardez juste une catégorie sociale, les personnels hospitaliers. Combien de manifestations ont-ils fait? Encore le 1er mai de l'an dernier, vous vous souvenez? Bon, bref, c'est. Je trouve qu'il y a un aspect impudique, quoi, de sa part à revendiquer le CNR. Pour nous, citoyens, ou pour nous, journalistes, a fortiori, nous, journalistes, puisque dans le programme du CNR, il y a la revendication d'une presse libre et indépendante. Oui, c'est une belle référence. On a une question d'un internaute, Laurent, sur, qui pose la question de l'unité nationale qui est voulue par certains. Est-ce que l'unité nationale, déjà, c'est une possibilité politique? Et deuxième chose, est-ce que les journalistes en font partie? Les journalistes ne sont jamais dans l'Union nationale. Les journalistes enquêtent. Mettre la plume dans la plaie et donc et ils ne sont parce que l'Union nationale, si les journalistes en étaient, ça veut dire qu'ils se taisent, c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas dans une posture de watchdog, de chien de garde de la démocratie, attention un tel, bon non, les journalistes eux ne se sont évidemment pas concernés. Et par ailleurs, pour le pays, je pense que ce serait la pire des choses. Là, on a vécu une période pendant laquelle la démocratie a été affinée. Avec des mesures de restriction des libertés publiques quand même très graves, hein, et à chaque étape que des mesures de restriction des libertés publiques ont été prises à cause du terrorisme il y a 3 ans et il y a 2 ans et puis maintenant pour des raisons sanitaires, à chaque fois on n'est jamais revenu en arrière, hein. Et donc je pense que l'enjeu n'est surtout pas ce qui se décide ne sera surtout pas serrons les rangs et ne parlons de rien. Refonder la démocratie, ce sera. La démocratie, c'est le dissensus. La démocratie, c'est des règles pour que les engueulades républicaines restent dans le cadre de la République. Bon, et donc, je pense qu'il faudrait plutôt refonder la démocratie. Et donc, je pense qu'il faudrait plutôt se diriger vers refonder la démocratie. Ça veut dire, par exemple, avancer vers une constituante. Moi, ça me semble. Après tant d'années de crise sociale à répétition, il faut trouver un moyen pour sortir de cette crise politique dans laquelle la France s'enfonce depuis 2017. On a cessé d'aller de crise sociale en crise sociale. Et donc, je trouve qu'il faut relégitimer la démocratie. Et à mon avis, la meilleure des façons, ce serait que le peuple soit enfin souverain, que les élus de la nation soient souverains, ce qu'ils ne sont pas. Merci Laurent, nous arrivons au terme de cette émission. Donc le virus de l'info reviendra en deuxième quatorzaine à partir du 19 mai.
jusqu'au à partir du 18 mai, pardon, du lundi 18 mai jusqu'au 29, où nous reprendrons sur un format magazine, disons avec des papiers un petit peu plus longs. Et nous serons là jusqu'au 29 mai. Et merci à toi de nous avoir rejoints, de nous avoir aidés, d'avoir éclairé nos étudiants de tous les conseils que tu as pu leur prodiguer. Merci Laurent, à bientôt. Former des étudiants, journalistes, citoyens. Bravo, continuez. Merci. Merci beaucoup. Merci.